Moi, j'ai jamais vu à quoi que ça ressemblait dans une perceuse. Faut trop que je répare ma perceuse parce que l'autre fois qu'elle avait fait les étincelles et que ça avait tout fumé. Ah ouais, ça sent encore le cramé. Et mon père, il m'a dit qu'il fallait changer les charbons. Oh, elle marche plus. Bon, on va encore tester, j'ai pas envie qu'elle me pète à la gueule. Mais il m'a dit que tu démontes et tu verras, Michael, dedans, faut changer les charbons. Alors, bah, on va démonter. Bon, je sais pas qu'est-ce que c'est que les charbons, mais on va bien trouver, hein. Au pire que je l'appellerai en visio. Prends le tournevis. Moi, j'ai une petite boîte à outils pour bricoler. Tu sais que je sais bien bricoler, moi. Bon, c'est pas le bon angle. Merde, ça commence fort. C'est peut-être plus celui-là. Oui, on va voir. Faut indiquer les vis, après, sinon, je pourrais plus démonter, hein. J'espère que ça se démonte facile. Oh merde. Oh bah la vis où sèche les mises. Bah ça commence, j'ai paumé la vis comme le juice. Bah merde, elle a disparu. Merde. Bon bah je vais bien finir par la trouver un moment à notre. Oh merde hein. Bon tant pis. Oh là là, mais il n'arrive que des bêtises moi. Allez, on démonte les 4 vis. Ah mais il y en a plus que 4 là. Ça m'a l'air compliqué à démonter hein. Oh, puis elles ont pas tous la même taille en plus, là. Comment tu veux que je les repère, moi? Attends, on va faire vis du bas, vis du bas, vis du bas. Je vais faire un espèce de plan de montage à côté. Comme ça. Non, mais c'est n'importe quoi de mettre autant de vis sur une perceuse. Ils croient quoi? Qu'on va la démonter tous les jours, là? C'est complètement con, ça. Alors ça, c'est le bras. On va dire que c'est là. Je suis vraiment merdée. Il faut que je retrouve l'autre vis. Faut que j'achète un détecteur à métal puis que je vais la retrouver. Ils avaient ça dans le temps à la plage quand j'allais chez mes grands-parents. Oh ben merde, ça, mon tournevis, qu'il est trop petit. Oh mais c'est pas vrai. Ben comment que je vais dévisser, moi? Peut-être en forçant. Merde! Ben je crois que mon bricolage qui va s'arrêter là. Que j'ai pu... Mon tournevis qui n'est pas assez gros. Oh, j'étais presque au but, là, non du douce, là. Je suis déçue. J'en ai trouvé un. Je l'avais piqué à mon frère quand j'ai bricolé. Du coup, je lui ai jamais rendu. Comme quoi, ça sert de voler les choses, des fois. C'est un plat, alors que normalement, il faut des tournevis en forme de croix. Quelle idée aussi de mettre des vis dans des gros trous, là. Franchement, c'est complètement con. Moi, que j'ai jamais vu à quoi que ça ressemblait dans une perceuse. Tu vois, c'est le moment de faire la découverte, mine de rien. Comment ça se démonte, maintenant? Bah, vas-y, il faut avoir Bac plus 15, maintenant, pour la démonter, là. Comment je fais, moi? Il manque peut-être une vis que j'ai oublié d'enlever. Bah non, attends, je vais peut-être faire levier. Peut-être que ça va s'ouvrir. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui bloque, là. Peut-être ça, là. Ah, ça, c'est le truc pour le recharger. C'est peut-être ça. Non, il y a un truc qui bloque, là, genre ici. Je te jure, bah, je crois que je vais en racheter une neuve. Si je peux pas la démonter, moi, je vais pas me faire chier longtemps. Pourtant, que j'ai enlevé toutes les vis, là. Non, mais en fait, c'est fait pour pas être démonté. Pourtant, il y a tout ce qu'il faut, hein. Ah non, bah, je peux pas la démonter. Bah, je vais en racheter une. Faut que je trouve les sous maintenant. Bon, on verra pas à quoi que ça ressemble une perceuse dedans, parce que je te jure, j'arrive pas à l'ouvrir, pourtant que j'ai enlevé toutes les vis. Oh, merde de la vieuse, là.